Donc l'aide pays franc-comtois est disponible au franc-comtois depuis 15 jours dans une centaine de magasins en Franche-Comté. Donc écoutez, c'est un lait qui rémunère au juste prix les paysans, qui est en circuit court, puisque c'est un lait qui est collecté uniquement dans la zone de Haute-Saône. C'est un lait qui est riche en protéines. Les vaches pâturent 180 jours par an, donc c'est un lait qui respecte le bien-être animal et qui est également non OGM. On le trouve aujourd'hui dans une centaine de supermarchés et d'hypermarchés en Franche-Comté, Système U, Inter, Leclerc et également Bien et Attaque. Alors pourquoi ça n'a pas été fait avant? Pendant le Covid, un distributeur m'a appelé et me dit « Tiens Georges, c'est pas normal, il y a des paysans aujourd'hui qui ne vivent pas de leur métier, qui jettent du lait, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc à partir de là, je lui ai dit « Bon bah écoutez, on va essayer de trouver une solution » et en l'espace de 2 ans, avec une initiative privée et publique, avec l'aide de la région, et subventionnée par la région, on a mis une ligne en place, puisqu'il n'y avait pas à 300 km autour de Flagey. Et aujourd'hui, c'est le premier lait en Franche-Comté, 100% circuit court, qui rémunère au juste prix les paysans. C'est surtout un projet qui a du sens, hein, puisque c'est un sujet bas carbone. C'est pas normal aujourd'hui de faire traverser du lait à toute la France. Donc c'est logique, on est en Franche-Comté, le lait c'est l'ADN de la Franche-Comté c'est le comté, donc aujourd'hui faire un lait franc-comtois avec du bon lait de vache pombéliarde, ça a tout son sens.